Alors, il y a des points communs entre l'histoire de Moïse et l'histoire de Jésus. C'est que il y a un chapitre au début du récit, dans les deux cas, consacré voici le premier résultat de à la naissance de Jésus à Bethléem, naissance de Moïse avec l'histoire du berceau sur le Nil, etc. Et puis après, une espèce de vide, et il y a plusieurs décennies plus tard, en quelque sorte, une révélation, le buisson ardent, et pour Moïse aussi, une révélation avec Jourdain, etc. Et donc, on a l'impression que ce récit originel, initial de la naissance, il est posé là au départ, de façon plus ou moins artificielle.